psychiatre, je travaille toujours beaucoup dans le domaine de la protection de l'enfance et j'aimerais que vous gardiez le récit de Madame Bréa à l'esprit pendant mon exposé. Parce que je vais l'illustrer d'une manière, je dirais, à certains moments chiffrée, un peu aride, mais ça correspond exactement à ce qu'elle a dit. Il y a 15 ans, je n'aurais jamais imaginé devoir faire un exposé sur le syndrome d'aliénation parentale. Et c'est Madame Philippe, dont il y a le livre au fond, la fondatrice de l'association L'Enfant d'abord, qui la première a perçu le danger de ce, entre guillemets, concept, grâce au recueil d'informations qui lui parvenaient et lui parviennent toujours de toute la France. En 2004, elle m'avait prévenu, le prochain danger, c'est le SAP. Et je n'avais pas alors complètement compris la justesse de ses prévisions. Et effectivement, actuellement, le SAP envahit les tribunaux, comme l'indiquent certains magistrats. Il se situe dans un champ complexe, à la croisée du DVH, le droit de visite et d'hébergement lors de séparation parentale, des maltraitances psychologiques, physiques, sexuelles, de la psychiatrie adulte, et je le dis clairement, aussi au niveau du retour de la domination masculine sur les femmes et les enfants. Car même si certaines femmes exercent une emprise destructrice sur leur enfant, et j'en ai reçu en expertise, l'utilisation du terme de SAP et le lavage de cerveau sont majoritairement le fait d'hommes. Là où la question devrait être, comment exercer sa fonction parentale de la manière la plus adaptée aux besoins de son enfant, en fonction de son âge, il y a des hommes qui combattent d'une manière très organisée. Ils ont des statuts sociaux forts. Ils sont redoutables dans l'art de la désinformation. Truc les citations d'auteurs connus. Ainsi, ils évoquent, bon, vous ne connaissez sans doute pas, mais Wallerstein, Johnston, Kelly, les plus grands chercheurs américains qui montrent que le SAP n'a aucun fondement. Ils les citent en disant, vous voyez, ils ont dit que c'était valable. Ils sont experts dans la manipulation des idées et surtout, en France, ils ont mis en place une véritable infiltration des médias, dont certains médias nationaux. Et peu leur importe que cela aboutisse à de véritables carnages familiaux, suivant l'expression d'un avocat. Je voudrais dire clairement que nous, comme cliniciens, nous n'avons pas les moyens de faire face à cela. Parce que nous avons des listes d'attente d'enfants qui vont mal, que nous devons prendre en charge. Et il y a quelques personnes qui se dévouent, comme Hélène Romano, Muriel Salmona, d'autres personnes, mais on ne peut pas passer notre temps à être dans les chancelleries, à être derrière les attachés parlementaires, etc., à être dans les bureaux des médias. Voilà, on est à une égalité de combat. Alors soyons clairs, le fait qu'un parent exerce une emprise psychique sur un enfant pour le dresser contre l'autre parent, existe depuis la nuit des temps. Nous n'étions pas nés que ça existait déjà. Il n'y avait pas besoin de créer le concept de SAP pour le savoir. Aussi, l'apparition de ce terme a-t-elle eu des buts précis? Historiquement, c'est l'explication première, le but a été de justifier les demandes répétées des associations de pères qu'une résidence alternée soit mise en place systématiquement en cas de séparation du couple, même pour les enfants très petits, afin de prévenir une éventuelle aliénation parentale. C'est comme ça qu'on a retrouvé des bébés en résidence alternée à l'âge de 5 mois. Ce projet de loi d'obligation de résidence alternée pour prévenir le SAP réapparaît sans cesse au niveau de l'Assemblée nationale. Deuxième point, disqualifier la parole de l'enfant lorsqu'il fait part d'une réticence à aller chez un parent, en affirmant qu'il est manipulé par l'autre parent, et ainsi éviter de chercher les raisons précises de ces réticences. Mais aussi, et ceci n'est pas négligeable, permettre à des experts n'ayant qu'une très faible compétence clinique et incapables d'écouter réellement un enfant, de poser un diagnostic simpliste dans des situations très complexes. Un exemple très très simple qui est dans le livre, c'est un enfant de, je ne sais plus son âge, il a 9 ans, 10 ans, 8, 9, 10 ans, dit à sa mère, revient de chez son père
avec un énorme cocard à l'œil. Et il explique que son père l'a poussé contre la porte au moment où son père était ivre, mais que son père ne l'a pas fait exprès, que son père titubait et qu'il l'a bousculé comme ça. Il ne dit pas que c'était une maltraitance volontaire. Mais il explique qu'il aime bien son père, mais qu'il ne veut plus aller chez lui le soir quand il a ses copains avec lesquels il se saoule, et qu'à ce moment-là, il n'aime pas voir son père dans cet état. Donc il ne dit pas qu'il ne veut plus voir son père. Il dit qu'il aime toujours, mais qu'il veut y aller quand son père est seul. Expertise, aliénation parentale. La mère s'en sort à peu près bien, puisqu'elle est condamnée aux entiers dépens et elle doit verser 1000 euros au père. Et on lui dit que si elle recommence à dire cela, on lui retirera la garde de l'enfant, mais elle garde le droit de l'hébergement principal. On peut dire que le vent du boulet n'est pas passé loin. Et puis, il y en aurait d'autres aussi terribles, mais après Madame Bréa, on a vu le pire. Alors, en plus, le professeur Hayek, qui est le professeur de pédopsychiatrie de Bruxelles, un des professeurs qui a énormément travaillé sur le sujet, indique que certains intervenants naïfs et peu formés, à la recherche d'une sécurité intellectuelle et de recettes pour guider leur action, rangent dans l'aliénation parentale toutes les situations où il y a des difficultés majeures de rencontre parent-enfant et qu'il y a un véritable formatage des esprits, avec comme postulat qu'un enfant doit non seulement avoir des contacts obligatoires avec ses deux parents, mais qu'il doit en être heureux ou satisfait. Donc toute plainte d'un enfant est considérée comme suspecte. En réalité, toutes ces situations sont beaucoup plus complexes. Imaginez pour Madame Bréa, un expert qui arrive là-dedans, il devra tout démêler, c'est énorme comme travail. Donc beaucoup plus complexe. Je dirais même que ces situations sont parmi les plus difficiles à évaluer. Et j'ai toujours été assez angoissé lorsqu'un magistrat m'en confiait l'expertise. Allais-je parvenir à comprendre ce qui se jouait, à établir un lien de confiance suffisant avec l'enfant pour espérer démêler le vrai du faux, à éclairer le magistrat? C'était une grande responsabilité. Et je dois dire que de telles expertises prennent des heures et des heures pour être réalisées. C'est souvent 12 heures, 15 heures ou plus. Et que quand un expert fait ce type de travail en 1h32, heures, c'est impossible qu'il ait les éléments pour éclairer le magistrat. Ne serait-ce que la lecture de tous les éléments du dossier prenne facilement 2 heures. Alors maintenant, je vais essayer de vous dire ce que nous savons et ne savons pas à propos de ce concept. Donc je ne vais pas vous simplifier la tâche, parce que c'est là où nous en sommes, sans idéologie, et vous allez voir. J'utilise, pour que vous ne soyez pas obligé de prendre des notes, un PowerPoint. Ce PowerPoint, vous le trouverez sur mon site internet, c'est mauriceperger.net. Donc comme ça, vous pouvez suivre plus aisément. Alors, on va donc passer au diapo 2. Attendez, je crois que j'ai pris la piscine. Oui, c'est bon. Alors tout d'abord, le terme de SAP, ou AP, aliénation parentale, n'est pas reconnu scientifiquement. C'est pour ça qu'on lui préfère le terme d'emprise et d'instrumentalisation d'un enfant. Le problème, c'est que malheureusement, ce terme est entré dans le langage courant. Alors, il existe, comme je l'ai dit, des pères et mères qui exercent une maltraitance, cette forme de maltraitance, mais l'utilisation simpliste du concept de SAP est à l'origine d'authentiques maltraitances faites à des enfants et à des parents. Alors, un enfant ou un adolescent se montre réticent à aller chez un parent, refuse du contact, mais avant de parler de manipulation ou d'emprise, il faut faire une analyse précise. Beaucoup de refus de contact, on verra, ne sont pas synonymes d'emprise. Et le risque, c'est de commettre une injustice si on n'explore pas assez et de confier l'enfant à un milieu nocif. Alors, quelques mots d'historique. Le créateur du terme de SAP est Richard Gardner, un psychiatre américain qui, dans ses écrits, ce que je vous dis là est extrait de ses publications.
prône que l'enfant soit sexuellement actif très tôt pour transmettre des gènes de bonne descendance, de bonne qualité à sa descendance. Les gènes ne sont encore pas trop abîmés par l'âge. Recommande de ne pas incarcérer les pédophiles car cela gênera leur guérison. Plaide pour l'abolition du signalement obligatoire des maltraitances. Propose que les enfants soient aidés à reconnaître que les relations sexuelles entre un adulte et un enfant ne sont pas universellement considérées comme des actes répréhensibles, en particulier pendant la Grèce antique. Insiste sur le fait qu'il faut aider le père incestueux à compatir avec son enfant, victime d'une société qui considère le comportement de son fils comme un crime odieux, etc. Aucun tenant du SAP en France, qui se revendique de Garner, et ils se revendiquent tous de Garner, ne cite ses propos concernant la pédophilie. Bon. Je précise qu'il les a publiés dans sa propre collection d'éditions. Personne, qu'un autre éditeur n'aurait accepté. Ensuite, il a ajouté, c'est 1980-85, sans s'appuyer sur aucune étude valable, qu'il y aurait un SAP dans 90% des divorces conflictuels, mesurés déjà, bon, et que ce seraient les mères qui seraient majoritairement aliénantes, et les déclarations d'abus sexuels sont de fausses allégations. Tout est parti de là, ainsi qu'un autre travail d'un nommé peu avant sa mort, donc il s'est suicidé en s'arrêtant de coups de couteau, il a eu un flash de mémoire, de remords. Il a reconnu que ses affirmations avaient permis à des agresseurs d'être déclarés innocents, mais sa théorie a entraîné la remise d'enfants à leurs agresseurs, pas forcément sexuels, mais agresseurs de toutes sortes, et a entraîné des suicides d'enfants. Pour lui, un enfant ne s'exprime jamais à partir de ce qu'il pense et ressent, il est forcément manipulé. Voilà le fondement, ce qu'a écrit le créateur du saint. Alors ceci a été évidemment critiqué. Critiqué par, tout d'abord, une instance importante, le comité scientifique du DSM-5. C'est le manuel national, international de classification des troubles mentaux, qui refuse de reconnaître le SAP et de le faire entrer dans le DSM-5. C'était signé par 8000 professionnels de haut niveau aux États-Unis, ce refus. L'Association américaine de psychiatrie, de psychologie, le guide du Conseil national des juges aux tribunaux de la famille aux USA, mettent en garde contre l'utilisation de ce concept. Ils disent que c'est « junk science », ça veut dire la science de pacotille. Une étude demandée par le ministère de la Justice du Canada a montré que, je résume le dernier chiffre, il n'y a de comportement parental aliénant que dans 0,4% des situations conflictuelles. Ce sont des études très sérieuses. Et la conclusion, c'est qu'on risque de confondre en permanence un fort conflit parental et une emprise parentale pathologique. Si bien que les chercheurs québécois ont mis au point un tableau avec d'un côté les signes cliniques parentaux chez l'enfant, etc., quand il y a un fort conflit parental et quand il y a un risque d'aliénation. Il y a des points communs, c'est ça qui est compliqué, et il y a des points qui permettent de bien faire la différence. C'est possible que ce soit sur mon site. On en reparlera. Alors là où on respire un tout petit peu, c'est qu'en 2016, trois psychologues, deux Américains et un Australien, ont été sanctionnés pour la nature non professionnelle de leur rapport d'expertise. Donc, je cite le tribunal, ce rapport ne fait pas de distinction entre les faits, les rumeurs, les opinions personnelles. Il utilise une forme de terminologie, le SAP, comme si elle était reconnue et comment utiliser et communément utilisée. Ce psychologue devra organiser à ses frais une supervision mensuelle de sa pratique pendant 6 mois. Je trouve que c'est pas mal. Un autre psychologue est interdit d'exercer. Alors, quels enjeux? Tout d'abord, le lobbying, comme je vous l'ai dit. Mais, écoutez bien. En 2012, dans un manuel scolaire de première en France, dans le chapitre consacré aux problématiques sociales, sur le thème de problématiques sociales. Les thèmes habituels pour les élèves sont l'inégalité, la marginalisation, la perte d'emploi, le chômage, la précarité, l'illettrisme. Le problème présenté sur 7 pages, ça a été le SAP. Donc, est-ce que vous imaginez cette infiltration au niveau de l'éducation nationale? Donc moi, j'ai fait poser la question à un député au gouvernement, au moment des questions parlementaires, pourquoi il y avait ce thème dans l'éducation nationale? Donc, réponse langue de bois confuse.
Alors, l'autre enjeu, je vous l'ai dit, un enjeu essentiel, c'est attaquer l'autre parent, lui faire payer la séparation. Et puis, une question majeure, existe-t-il un enjeu concernant l'impunité de certains abus sexuels? Et là, je vous laisse fantasmer. Donc, ce qui s'est passé aussi, comme il commence à y avoir un mouvement de réticence par rapport au SAP, grâce aux travaux du REPPA, de Madame Philippe, bon, de M. Durand aussi, apparaît le dernier avatar, c'est le syndrome de Münchhausen. Alors, je vais être bref. Quand Madame Bréa, si Madame Bréa avait amené son enfant en pédiatrie pour l'écorchure au bras, c'est ça? Eh bien, dans cette optique-là, on aurait dit qu'elle avait blessé son enfant pour l'amener en pédiatrie pour faire accuser l'autre parent. C'est ça le syndrome de Münchhausen. C'est un parent. Alors, au début, ça ne concerne que des pathologies très graves. Par exemple, une infirmière qui fait des doses trop fortes d'insuline à son enfant et qui l'amène après en pédiatrie, et les pédiatres ne comprennent plus rien, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la mère rend l'enfant malade. Donc c'est très rare. Et là, c'est exactement ce qui se passe. En dehors, alors j'insiste parce que j'y reviendrai, de certaines situations compliquées où un parent peut avoir un thème de délire sexuel, c'est-à-dire il est convaincu que son enfant est abusé par l'autre. Et là, il l'amène en pédiatrie pour faire vérifier. Mais ce n'est pas du tout le même contexte. Je donne un petit exemple, non, je donnerai plus tard. Alors voilà l'état de nos connaissances actuelles. Tout d'abord, l'impact des violences antérieures. Beaucoup d'auteurs de violences conjugales risquent d'être auteurs de maltraitance physique ou sexuelle sur leur enfant après la séparation. Donc M. Durand vous en parlera, un mauvais mari n'est pas forcément un bon père, loin de là. Et là, on a des chiffres, je vais être bref. Rouen, 146 enfants de femmes battues, 31% abusés par leur père, sur ces 46. Pas des là, c'est impressionnant. Les filles de femmes battues ont 6,5 fois plus de chances d'être abusées sexuellement par leur père. L'étude de Kernick, 324 situations de divorce avec violence conjugale. Le fait qu'un père soit violent ou pas n'a aucun impact sur les décisions des tribunaux. L'étude de Staly, 2013, 400 situations d'enfants qui déclarent être maltraités ou abusés par leur père. 90% des mères indiquent des violences conjugales avant la séparation. 50% sont prouvées, c'est-à-dire il y a eu un procès-verbal de violence conjugale. 50% des mères étaient la personne principale qui s'occupait de l'enfant et ont perdu tout accès à leur enfant. 63% ont arrêté de parler des abus, de crainte que cela ne fasse interdire les contacts, comme pour Madame Bréant. Et nous avons une étude majeure qui a été traduite par l'enfant d'abord et par le REPPA, donc Madame Isard. Pardon. Ah, c'est vous qui l'avez traduite. D'accord. Excusez-moi. C'est un travail d'équipe et de collaboration. Et alors, cette étude est essentielle. Elle se passe en deux temps. Premier temps, donc demandé par le ministère de la Justice, quels ont été les arguments écrits dans les rapports, c'est pas des on-dit, écrits dans les rapports déposés au tribunal pour que soit attribué le droit d'hébergement au père dans des situations où les enfants déclarent avoir subi des maltraitances ou des abus sexuels. Donc, on a examiné ça. Hop. C'est une diapo qui n'est pas à sa place, excusez-moi. C'était toujours sur les statistiques. Harvard, Silverman, dans 54% des dossiers où il y avait de la violence conjugale prouvée, la garde des enfants a été confiée aux agresseurs qui avaient presque tous plaidé d'aliénation parentale. Conclusion, la perversion, ça marche. Donc voilà, Silberg, temps 2. Autant d'eux, on s'est rendu compte que un bon nombre d'enfants, on avait pu prouver les maltraitances physiques et sexuelles suite à d'autres rapports de travailleurs sociaux, de tout ce que vous pouvez, d'enseignants, etc. Donc la Cour reprend le dossier et se rend compte qu'elle avait fait une erreur en ne croyant pas les allégations des enfants qui sont restés exposés en 4 mois et 9 ans. Alors sur
un PowerPoint qui est sur Internet de Silbert, les magistrats parlent et ils disent qu'ils se sentent très très mal d'avoir mis des enfants pendant cette durée chez les agresseurs. Donc on a pu voir quels avaient été les arguments qui ont amené à cette erreur judiciaire. Tout d'abord, les allégations sont parues dans un contexte de divorce conflictuel. Donc, égal, la mère manipule. Deuxième point, le fait que la mère demandait que son enfant soit protégé était considéré comme un trouble psychiatrique en soi. C'est marqué tel quel. Troisième point, le père était plus prêt à coopérer, plus friendly, pour le droit de visite, alors que la mère refusait. Évidemment, la mère considérait que son enfant était en danger, donc elle le refusait. Quatrième point, non prise en compte des violences conjugales antérieures. Et le point le plus important, la décision dépendait beaucoup de la qualité de l'évaluateur désigné, donc enquêteur social, expert. C'est ça ce qui a fait basculer. Alors, hélas, actuellement, on a de plus en plus d'avocats qui demandent à leurs clientes de ne pas souligner leurs inquiétudes en disant qu'elles risquent de perdre la garde. On en est là. Alors, pour la clinique des enfants, je vais être bref, donc deux grosses études très valables. C'est les seules qu'on a au monde actuellement. Les raisons données par l'enfant, les raisons valables quand ils disent qu'ils ne veulent pas voir un parent, que ce soit leur père ou leur mère, c'est parent maltraitant ou abusif, parent négligent, mais des grosses négligences au niveau propreté, au niveau soins médicaux, etc. Parent très rigide éducativement, un parent qui dénigre en permanence l'autre, un parent qui ne propose rien d'intéressant. Je pense à un père qui voulait la garde. Par exemple, pendant les 4 jours d'un grand week-end de mai, je ne sais pas quoi, le père est resté toute la journée sur ses jeux vidéo, il faisait beau dehors. L'enfant dit, mais moi je ne veux plus y aller, je m'embête. Ben voilà. Défilé de copains alcoolisés, je l'ai dit. Un parent qui a présenté maladroitement son nouveau compagnon ou sa nouvelle compagne. Un parent qui a frappé l'autre parent. Et l'enfant ne lui pardonne pas. Alors là, c'est à nuancer. Dans les violences conjugales, on a des enfants qui aiment toujours leur père, bien qu'il ait battu leur mère. C'est comme ça. Et puis on en a d'autres qui ne pardonnent pas. Un enfant en colère contre un beau-parent qu'il pense être à l'origine de la séparation. Là, ça n'est pas la bonne capote. C'est pas ce que je voulais mettre. Ce que je voulais mettre, c'était qu'on a des adolescents qui peuvent être parfaitement injustes. Je pense à un adolescent qui refuse de voir son père depuis 3 ans. Au moment du divorce, la mère a dit, s'est effondrée, déprimant, et a dit, tu vois, c'est à cause de ton père que je suis dans cet état. Donc l'enfant est en colère contre son père. Et puis après, la mère a modifié. Elle a dit, écoute, de ma part aussi, il y avait des choses qui n'allaient pas. Franchement, on s'est séparés. On avait la responsabilité 50-50. L'enfant n'a pas modifié sa position personnelle. Donc, évidemment, les magistrats, est-ce qu'il fallait forcer ou pas? Donc, j'ai rencontré la mère en expertise, le père, l'enfant seul, l'enfant avec sa mère. Comment voir l'enfant avec ce père, ce jeune qui avait 15 ans? Bon, méthode soviétique. J'ai fait entrer l'enfant dans mon bureau, j'ai discuté avec lui, et je lui attends, je sors, et il y avait son père dans une autre salle d'attente, et j'ai introduit le père et fermé mon bureau à clé. Donc je voulais qu'il y ait une explication. On ne pouvait pas rester comme ça. Et à ce moment-là, le père a été très bien. Il a dit, ben c'est vrai. J'ai piqué des colères énormes. Son fils lui dit, tu te rappelles quand tu as filé un coup de poing, tu as perforé une cloison? Il dit, je ne me rappelle pas bien, mais si tu me dis, ça peut être vrai. Je passais tout mon temps à refaire la maison, je ne m'occupais pas de toi. Tu vois, maintenant je suis remarié, tu as une demi-sœur. Et bien, ta demi-sœur, maintenant je ne fais plus pareil. J'ai compris ce que c'était que s'occuper d'un enfant. Je te présente mes excuses. Et l'enfant n'a rien voulu changer de sa position. Et je l'ai revu après, un entretien assez tendu seul, et il a dit non, je ne bouge pas. Alors on verra pour la suite, mais ceci vous montre l'extrême complexité de comprendre pourquoi un enfant refuse. Ce n'est pas du tout simple comme ça. Et après, bon, le magistrat m'a suivi, il a maintenu la non-obligation de rencontre du père, qui est un travail psychothérapeutique qui se fait. Moi, je pense qu'on risque de se trouver dans une des études de Johnston,
ou sur des sujets suivis pendant 20 ans, 25% seulement se souviennent avoir eu des sentiments négatifs vis-à-vis d'un parent qu'ils ne voulaient pas voir. Donc c'est, la relation avec ses parents, ça se joue sur l'existence entière. Et je précise que le père dont je vous ai parlé juste avant, il a dit à son fils, moi de toute manière, je continuerai à t'envoyer une carte au Noël, pour ton anniversaire, et je continue à verser tous les mois une somme sur ton plan d'épargne logement. Comme on dit, oui, c'est ça, un PL. Pour comme ça, si tu dois passer ton permis ou des choses comme ça, voilà. Moi, ça, je continuerai à le faire. Donc, et beaucoup de jeunes reprennent contact à la fin de leur adolescence, quand ils sont un peu à conflit, à distance du conflit parental. Et puis, une autre étude, regardez juste la fin. Pareil, les enfants opposés au droit de visite, 81% ont repris contact spontanément, sans intervention judiciaire, et les 19%, la plupart du temps, c'était les raisons que je vous ai exposées, et il n'y avait qu'une toute petite quantité qui était un lavage de cerveau. Alors, voyons voir les fausses allégations. Au départ, Underwager, une très grosse campagne médiatique qui dit 30 à 70% de fausses allégations, sans preuve. Regardez à l'esprit que si quelqu'un vous cite Underwager, c'est quelqu'un, c'est comme quand il vous cite Gardner. Voilà, c'est, il n'est pas allé voir plus loin. Et on avait déjà une étude en 87 qui disait qu'il n'y avait que 2% d'allégations fictives. Et puis on a une recherche peu citée du ministère de la Justice français, et portant sur 30 000 décisions de juges des affaires familiales, 0,8% de cas considérés comme fausses allégations. Et en même temps, la brigade des mineurs a travaillé sur les mêmes situations, elle arrive à 0,7 sur 1000 cas de fausses allégations. Mais c'est 0,8%, 0,8 pour 1000, je me demande même. En tout cas, c'était très faible. Il est possible que j'ai fait une erreur. C'était très très faible. Non, mais c'est la même chose d'ailleurs. Et depuis, on n'a pas eu d'autres études, ce qui aurait permis d'y voir plus clair. Encore une situation, une grosse étude, 9000 situations de litige de garde, 0,19% d'allégations volontairement fausses. Donc ça existe, mais c'est faible. Chaque année, aux États-Unis, il y a une étude faite qui montre un taux d'allégations volontairement fausses, 0,1%. Alors, Silberg montre à quel point c'est compliqué. Il y a des allégations justifiées, des allégations incertaines où le doute persiste, c'est vrai, des allégations erronées de manière non intentionnelle, et puis des fausses allégations volontaires pour attaquer l'autre parent. Donc, tous ces travaux scientifiques ont été balayés, on en reparlera tout à l'heure, par Outrou. Outrou, où beaucoup de personnes, on a déconsidéré la parole de l'enfant en oubliant que, j'espère ne pas me tromper, 12 sur 15 ont été considérés comme victimes d'authentiques abus sexuels et leur parole a été considérée comme valide. Simplement, il y a un lobby qui tente de tout effacer. Et face à ces affirmations, moi j'ai repris dans mon service spécialisé dans la prise en charge d'enfants carencés, et sur les cas qu'on a reçus, on avait 0 cas d'allégation parentale, d'allégation fausse. Alors que Ben Soussan, l'expert sollicité, a dit que les enfants carencés mentent beaucoup sur les abus sexuels. Alors, quand est-ce qu'il y a... quelle est la clinique des parents? Donc là aussi, c'est la situation de Mme Bréa. On a des diagnostics psychiatriques. On a d'abord des parents totalement paranoïaques. Alors leur discours est tellement aberrant qu'on pourrait penser que c'est facile. Et on va voir que ça ne l'est pas autant. On a des parents psychotiques avec une conviction délirante, très compliquée quand c'est un thème de délire uniquement sexuel. Parce que ces parents ont un pouvoir de conviction tel qu'à un moment on se dit « mais c'est impossible qu'ils aient inventé ça ». Et on avait une mère qui fonctionnait comme ça. J'ai dit au juge des affaires familiales, mais c'est le délire. Bon, okay. Je ne sais pas comment le juge s'y est pris à l'époque. Il a fait admettre cette mère en hospitalisation d'office. Pendant 15 jours en service de psychiatrie adulte.
Et j'étais en lien avec la collègue, et je lui dis, mais il faut qu'il ait un traitement neuroleptique. Parce que c'est quand même une mère qui s'était allongée sur le dos et avait demandé à son enfant de 2 ans de lui uriner dans la bouche, pour vous dire qu'on était dans la grosse pathologie. Et la collègue, au bout de 15 jours, m'a téléphoné. Cette dame est arrivée en disant, je serai normale. Elle est restée parfaitement normale pendant 15 jours. Je n'ai aucun moyen de lui proposer un traitement ou de faire un diagnostic. C'est ça, la force aussi de certains parents. Et donc, ce sont des parents qui, de manière perverse, peuvent se présenter comme victimes manipulées du système judiciaire, qui ont une jubilation à détourner la loi à leur avantage. C'est un jeu, c'est un plaisir. Et un parent pervers narcissique a besoin de garder l'autre sous son emprise. Il ne supporte pas qu'il y ait un départ, qu'il ressent comme un abandon, et donc il va faire payer par l'enfant. Et un point dont on parle trop peu, c'est que très souvent, ces parents sont pris dans un système familial clanique. Clanique, c'est-à-dire qu'en cas de divorce, c'est le cas de certaines familles maghrébines en particulier, mais d'autres aussi, en cas de, ça peut être de famille de la très haute société, en cas de divorce, le parent qui n'appartient pas au clan doit être tout simplement rayé de l'esprit de l'enfant, rayé de la circulation. Le clan se referme sur l'enfant. Et là, il faut vraiment avoir une vision globale du groupe familial. Donc là encore, ce n'est pas en une heure que ça se fait. Alors, au niveau du comportement des parents pervers, bon là je vais aller vite parce que ce n'est pas un cours, mais sont des parents exclusivement préoccupés d'eux, de la procédure, peu importe les répercussions sur l'enfant, qui vont demander à faire des pressions pour que l'enfant se rétracte, qui utilisent des stratégies pour dire que l'autre parent présente des troubles psychiatriques, comme Madame Préant, et s'ils n'y arrivent pas, pour eux, c'est la politique du pire. Ils préfèrent le placement de l'enfant ni chez l'un ni chez l'autre. Et ils essayent aussi d'empêcher les prises en charge thérapeutiques de l'enfant. D'abord parce que l'enfant aille mal ne les soucie pas. On a des enfants suicidaires dans mon service où le père refuse la psychothérapie, mais aussi parce que l'enfant pourrait parler. Alors voilà le problème de fond. C'est l'expertise. Un magistrat peut avoir besoin de savoir extérieur, c'est votre phrase. Voilà, donc, quel expert solliciter? Tout d'abord, on pense qu'il faudrait des experts pédopsychiatres ou psychologues spécialisés en psychopathologie de l'enfant. Pourquoi? Alors, on a quelques rares experts psychiatres adultes qui ont fait un effort à ce niveau. Mais actuellement, on a des psychiatres d'adultes qui font ce type d'expertise à titre alimentaire. C'est-à-dire sans avoir aucune des connaissances sur le développement de l'enfant, il faut le dire. Il faut que cet expert soit aussi capable de faire un diagnostic psychiatrique concernant un adulte. Et en Suisse, c'est une spécialité. C'est 2 ans et demi pour être expert de pédopsychiatrie. Et nous essayons, ça va peut-être démarrer cette année, mais en tout cas probablement l'année prochaine, nous essayons avec plusieurs universités de mettre en place un diplôme interuniversitaire pour qu'il y ait enfin des experts en pédopsychiatrie légale. On veut que l'expert ait une pratique clinique personnelle concernant les soins aux enfants avec des suivis longs. Parce que si quelqu'un fait un travail d'expert, c'est pas valable. Donc j'ai téléphoné, j'ai fait téléphoner des amis dont l'enfant allait bien pour demander des rendez-vous à certains experts spécialistes du SAD qui mènent ça à chaque fois. Et la réponse a été « Ah, Monsieur X, je ne dis pas son nom, je ne veux pas de procès, Monsieur X ne reçoit que des enfants en expertise, il n'en reçoit jamais en consultation. » Voilà. Donc l'expert doit connaître les signes pouvant évoquer un abus sexuel. Il doit avoir une certaine connaissance de nos outils qui sont précis. Le SDA, enfin c'est l'entretien semi-directif, je passe... C'est une erreur, NICHD, le NICHD, qui est un outil très performant, il faut qu'il le connaisse. Actuellement, les officiers de police judiciaire sont formés aux outils qui permettent de dire, en cours de formation, si un enfant a subi un abus sexuel, et pas les psychiatres et les psychologues, ni les enquêteurs sociaux.
Donc un expert qui évalue la validité des publications. Et je peux dire qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas valables. Un expert qui n'a pas de croyance personnelle, c'est assez important, donc, qui ne fait pas de copier-coller d'une expertise à l'autre. Un expert qui a le courage d'écrire le diagnostic de paranoïa, si c'est le cas dans son rapport. Alors, la plupart des experts en libéral ont peur. Donc on lit, par un trait projectif avec des thèmes de complot, de jalousie pathologique, raisonnement logique sur des bases fausses, mais ils ont peur. Experts au courant du fonctionnement très séducteur et manipulateur. Et puis je vous ai dit le problème du thème d'un délire sexuel. Donc, nous avons des personnes qui ont un pouvoir de conviction extrêmement élevé. Et il peut être très compliqué de démêler le vrai du faux. Donc il faut avoir lu tout le dossier pour pouvoir confronter chaque parent à ce qu'il a dit, à quel moment. Par exemple, moi je lis une expertise qui a eu lieu 5 ans auparavant. Cet homme me dit, je parle de son père, oui, ben mon père actuellement, il fait ça et tout. Je dis, mais comment ça se fait-il que dans l'expertise précédente, il y a 5 ans, vous avez déclaré à votre femme que votre père était mort? Alors là, la façade bien rodée de manipulation, on voit bien que là, ça craque. Et quand ça commence à craquer, ah bon, vous l'aviez lu? Oui, monsieur, je l'avais lu. Donc, etc. Donc, l'idéal, c'est deux experts. Un expert qui fait tout le premier temps d'expertise et qui dit ça n'est pas clair là-dessus, ça n'est pas clair là-dessus. Et le deuxième expert reprend tous les points pas clairs en confrontant. Et là, on arrive vraiment à des choses précises. Alors, ça coûte cher, deux experts, je sais, mais quand on voit ce que coûtent ces situations en appel, contre-expertise, je pense qu'on est vraiment gagnant. Et puis, il y a les questions, je ne vais pas trop insister, mais quand même, souvent, un magistrat analyse de la personnalité de chaque parent et de la relation à son enfant. C'est-à-dire qu'il faut que le père soit reçu seul et avec chacun, seul avec chacun de ses enfants. Pareil pour la mère. Il est impossible d'évaluer les qualités parentales d'un adulte et la qualité de sa relation s'il est reçu seul. Impossible. On se fait rouler dans la farine. Donc, c'est ce que je vous mets. Et au cours, lorsqu'on va voir un enfant avec sa mère, puis avec son père, on va évaluer la liberté de parole qu'il a. Est-ce qu'il peut exprimer ses sentiments aussi bien en présence de l'un qu'en présence de l'autre? On va faire un moment de jeu, le jeu d'appui à l'âge, et surtout, on va confronter l'enfant, c'est un moment difficile, hein, à des déclarations contradictoires. Attends, tu dis que ton papa fait ça. Il est devant toi, lui dit que c'est faux. Alors, comment je fais, moi? Tu peux me dire, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit. Alors, il y a peu d'experts, ça c'est le drame des juges, peu d'experts qui fonctionnent comme ça, mais au moins, c'est intéressant que les juges repèrent ce qui manque dans l'expertise. Et il peut s'assurer est-ce que l'enfant a bien été reçu, pendant combien de temps. Et je pense qu'on s'en sortira pas sans organiser des collèges d'experts et des temps de reprise. Alors, quelques remarques. Pourquoi le père de la fille, Madame Bréa, était comme ça? Pourquoi il était comme ça? Et bon, on ne le saura jamais, sans doute. Parce que les parents qui instrumentalisent ne nous permettent jamais d'avoir accès aux moments difficiles de leur histoire. Qu'est-ce qu'ils projetaient sur vous? On ne le saura peut-être jamais. De l'histoire, son histoire d'enfant, avec son père, avec sa mère, on ne sait pas. Donc c'est très problématique, parce qu'on sait qu'il nous manquera toujours un élément. Alors, peut-être que vous avez eu des petites hypothèses, mais nous, en expertise, on les a pas. Deuxième point, jamais de médiation dans ces situations, parce que je tourne à la manipulation, sauf dans le modèle australien, où le médiateur fait un rapport au tribunal et peut donner des préconisations. Il y avait presque toujours des comportements d'emprise avant la séparation. Et le parent qui instrumentalise ne peut pas considérer l'enfant comme une pensée distincte de lui. Et donc, il ne laisse pas s'investir dans des relations extérieures. Si l'enfant va à une activité dans une maison de quartier, le père va rester planté là tout le temps. Alors, un point aussi important,
concerne Madame Bréa, je crois, une personne accusée à tort d'instrumentaliser un enfant peut avoir peu à peu une attitude caricaturale pour prouver à tout prix. Et ces personnes avec un paquet de dossiers, des photos, vous voyez, elle a une souris plus que quand il est sur les genoux de son père. Et on a des mères qui se désorganisent psychiquement, littéralement, qui deviennent presque folles, parce que leur enfant, elles doivent prouver que leur enfant n'est pas maltraité, que leur enfant est maltraité, et on leur dit que c'est faux. Et elles récupèrent un enfant petit qui va mal, avec des gestes sexualisés, et on les voit qui vont très très mal. Alors, passons sur les certificats médicaux, uniquement pour dire que les médecins peuvent, depuis peu, faire un signalement concernant une suspicion d'abus sexuel sans être poursuivis, sauf s'il est établi qu'ils n'ont pas agi de bonne foi. C'est récent. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on peut, comment peut-on intervenir? Parfois, il n'y a aucune décision satisfaisante. Ben, c'est vrai. Parce qu'on n'est pas arrivé à comprendre. Même quand on a fait un diagnostic d'emprise, parfois on ne sait pas comment faire. Voilà pourquoi. Tout d'abord, est-ce que l'enfant a été exposé seul durant de longues périodes, c'est-à-dire rapté en fait, hein, mine de rien, à l'emprise du parent? Si oui, il est très difficile de dégager des croyances parentales qui sont imprimées dans son cerveau. Vous avez vu cette situation où, en France, où un père a rapté deux enfants, je ne sais pas, pendant peut-être 7-8 ans, en vivant de manière sauvage. Ben, maintenant, les enfants ont ça complètement dans le cerveau, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. D'autant plus que l'enfant peut éprouver de la culpabilité à s'éloigner psychiquement du parent qui exerce l'emprise. C'est-à-dire que ses parents disent « ma vie est fichue, ma vie est foutue ». Et on a comme ça, j'ai vu un enfant de 12 ans, arrêter d'aller dans son club de foot, arrêter d'aller au cinéma. Et pour lui, son rôle, c'était d'être à côté de son père et de l'empêcher de s'effondrer. C'est plus favorable s'il y a quand même eu tout le temps le maintien de relations avec un tiers bienveillant. De toute manière, on n'a pas d'autre choix que de séparer l'enfant du parent qui exerce l'emprise. Par contre, si l'enfant a été exposé peu de temps, on a une possibilité d'hébergement chez l'autre parent avec des entretiens psychologiques. Alors, prenons un enfant exposé très longtemps. Si on le met tel quel chez l'autre parent, il y a un risque d'opposition. Est-ce qu'il faut proposer un passage dans un lieu neutre avec des rencontres dans un endroit protecteur avec chaque parent? J'en ai parlé à l'École nationale de la magistrature en juin. Un magistrat a dit... Je n'ai pas voulu mettre de sas, et l'enfant qui est arrivé chez la mère a détruit toute la relation avec la mère, on est obligé de le retirer. C'était une erreur. Une autre juge est intervenue tout de suite après en disant, c'est une fillette de 4 ans qui ne voyait pas sa mère depuis 2 ans, et moi j'ai remis directement l'enfant chez la mère, il a été prouvé, des abus, etc. Elle s'est précipitée dans les bras de sa mère et ça s'est très bien passé. Donc cet enfant a pu se cliver au bon sens du terme, c'est-à-dire protéger une partie d'elle de toute l'aliénation parentale et garder en elle, elle était forte hein, cette fillette pour faire ça, mais ça montre tout ce que nous ne savons pas, c'est-à-dire qu'on dit tiens il faut faire ça et puis après, le débat était passionnant d'ailleurs. Alors, parfois, le placement en lieu neutre, prolongé, reste la seule solution, la moins mauvaise. Ça peut passer par une épreuve de force, très préparée, avec des policiers qui vont prendre l'enfant. Et après, dans ces cas-là, on n'a pas bien d'autre choix que de médiatiser, de la première à la dernière minute, pas en point rencontre. Les points rencontres ne sont pas suffisamment protecteurs. Les professionnels doivent avoir l'autorisation d'arrêter la rencontre si un parent commence tout de suite à avoir un comportement d'emprise, parce que c'est pas ce dont un enfant a besoin. Et il y a une importance majeure de la parole du magistrat. C'est la seule pour l'enfant à pouvoir faire contrepoids à l'emprise parentale. Et l'enfant peut s'appuyer dessus, se dégager, ça peut prendre très longtemps. Mais, perversion jusqu'au bout, j'ai eu dans ma clientèle des parents qui ne venaient pas aux visites médiatisées. Donc, le lavage de cerveau qui
qu'ils avaient fait à leur enfant ne pouvait pas être travaillé en leur présence. On ne pouvait pas faire de confrontation, vous suivez? Donc ça a laissé telle quelle cette zone envahie. Et ces enfants me disaient, moi j'attends 18 ans une seconde, je retournerai voir mon père et vous ne me reverrez plus. Voilà leur programme. Et je ne suis pas arrivé à modifier cela. Alors, important, pour le moment, il n'y a aucune étude scientifique évaluant les résultats des placements prolongés en milieu neutre. J'ai cherché pour aujourd'hui, moi j'en ai pas trouvé. Donc, on fait quelque chose comme ça, empiriquement, et on ne sait pas si c'est bien ou pas bien. D'où mes conclusions. Nous manquons d'expériences partagées sur ces situations difficiles. Le devenir des enfants qui ont été sous emprise jusqu'à 18 ans, je ne sais pas si on le saura un jour, parce que les parents ne permettront pas d'y accéder, et de quel droit on irait rencontrer ces jeunes plus tard. Et le seul moyen de s'en sortir, je pense que c'est de mettre en place un groupe de recherche avec des magistrats, des cliniciens, qui apporteraient des situations en nombre, 40, 50, avec, disant, dans tel contexte, cette décision s'est révélée adaptée ou non, parce que les cliniciens et les magistrats en place ont encore les suivis en cours, pour se construire une base d'expérience commune, alors qu'actuellement, chacun fait ses essais de manière isolée. Ça ne prendrait pas un temps énorme. Moi, je pense qu'on fixe 4 jours, une fois tous les 3 mois, et qu'en un an, on a suffisamment de cas et de matériel pour avoir les premiers grands axes pour avoir fabriqué de l'expérience et un peu de science. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup.